Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips. Vous le voyez peut-être derrière nous, on se trouve à Walibi, Belgique. Au programme aujourd'hui, on va découvrir les nouveaux toboggans d'Aqualibi. Ils sont au nombre de 4. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors au programme, au niveau des toboggans, vous avez un toboggan en spirale avec un genre de petite soupière là, qui a l'air sympa. Vous avez un aquacoaster aussi, avec deux montées. Et il y a aussi un dueling en tapis, deux pistes côte à côte. Et encore un autre toboggan, on voit. Donc c'est un genre de half-pipe, on va dire. On va découvrir tout ça. Alors ça y est, on a accès à Aqualibi. Et donc là, on est vraiment dans les vestiaires. On est juste arrivé après le petit tourniquet. Et c'est super propre, c'est nickel, c'est tout neuf. Hein, c'est la première fois pour moi. Ouais, et moi, ça fait des années que j'étais pas venu. Et même l'entrée, elle est bien refaite. C'est un peu plus thématisé. Ouais. Ça fait moins piscine. on rentre plus dans un univers. Et ça, c'est déjà canon. Donc on a hâte d'aller voir la suite avec des nouveaux casiers. Oui. Alors, ça y est, on est rentré dans Aqualibi juste après les douches. Il y a un petit peu de buée sur la caméra. Oui, il fait un peu chaud. Changement de température par rapport à l'extérieur. Bon, ça va revenir. Donc, première fois pour moi ici. Et je trouve ça vraiment super sympa. C'est joli. Super beau. Ouais, c'est super joli. C'est vraiment bien refait. Ouais. On va retirer un petit peu la buée. C'est sûr. On dirait qu'il y a du brouillard dans Aqualibi, non? Et les façades, elles sont super jolies. C'est super bien thématisé. Ah ouais, c'est beau. Ouais. C'est propre. Je m'attendais pas à ça, tu vois. J'ai déjà vu des photos, mais c'est vrai qu'en vrai, ça rend beaucoup mieux. Hein. Ça rend beaucoup mieux. Et ouais, c'est top. Hein. Regarde la piscine à vagues, elle en route. Bon, je pense que ce sera l'occasion de revenir ici pendant l'été. En plus, ils font des nocturnes. Et je pense qu'on testera l'été prochain une nocturne ici. Ça nous tente bien, tout le coup. J'en profite parce que c'est quand même rare de pouvoir filmer. On peut filmer trop les gens non plus. C'est bon, tout ça. Ouais, c'est vraiment sympa, hein. C'est joli comme ça. C'est sympa. Une petite zone pour les enfants, c'est sympa, avec un petit saut qui se retourne. Les gens. Une partie jacuzzi. Toute cette première partie, c'est la partie qui existait déjà. Elle a été complètement rénovée. Moi, je reconnais vraiment pas grand chose. Enfin, je me souviens des endroits où étaient les bassins, etc. Mais c'est super joli, les décors, ils ont vraiment été bien refaits. Et puis j'ai hâte aussi d'aller voir la nouvelle tour qui est là-bas, avec les nouveaux toboggans. Si c'est aussi bien que ce qui a été fait là, ça va être canon. Bah ici également une petite zone pour les enfants, c'est top. Une splashpad, ouais, c'est super sympa, c'est mignon tout là. Oh waouh, ouais, c'est beau, ouais. Ouais, c'est vraiment sympa. Je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment agréablement surpris, tu vois. Ouais, ça donne envie de revenir. Ouais, carrément, de venir tester ça l'été prochain. Hein, dans une nocturne, par exemple, c'est peut-être bien. Ouais, parce que là, il y a des toboggans qui passent à l'extérieur. Ouais, voilà. Et on a quand même peur de tomber malade pour les vacances. Ça. Voilà, c'est ça, pour Noël, donc non. Bon, la rivière sauvage, j'imagine qu'elle est là, non? Bah là, ici, c'est l'arrivée de la rivière sauvage, ouais, tu vois. Ouais. Et il paraît qu'elle est très bien, en plus, donc... Elle est aussi sauvage que celle de Volcano Bay. Ah ouais, j'en ai ce souvenir là. Après, elle a peut-être changé, mais j'en ai ce souvenir. Donc là, la nouvelle entrée, finalement, la nouvelle zone de toboggan, la nouvelle tour qui a été installée avec 4 toboggans différents. Donc vous avez Wiki Wiki, Banzai, Pomakai et Wikiki. Ouais, c'est joli, c'est beau.
voit l'arrivée des toboggans. Ah oui, donc on est vraiment dans la nouvelle structure. Oh, regarde, punaise. Ah, c'est impressionnant, ouais. Oh, la vache. Oh, c'est impressionnant. Il y a carrément un système pour monter les tapis, les bouées, c'est top. C'est top. Oh, c'est bien... Donc voilà l'arrivée des 4 toboggans. Oui, la tour, elle est, c'est impressionnant la hauteur. Hein. C'est super impressionnant. Donc c'est dans cette nouvelle tour que se trouvent les nouveaux toboggans avec les escaliers qui sont de chaque côté. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour ceux qui ont le vertige, c'est des escaliers classiques. Ouais, ouais, c'est voilà, vrai. Donc il n'y a pas d'appréhension carré, à monter. Voilà, ça c'est bien. Mais on sent qu'on est un peu plus dehors, il fait plus frais ici. Ouais, c'est vrai, dans la tour, il fait légèrement plus frais, ouais, en effet. Et... Bah, après, parce qu'au rez-de-chaussée, c'est l'arrivée des 4 toboggans qui passent forcément qui passe dehors. Donc, ouais. Et il y a un toboggan avec des matelas. Un autre toboggan avec des grosses bouées, avec le mécanisme de remontée, ouais, qui est vachement c'est bien fait. Ouais, c'est, vachement, bien fait. C'est sympa à voir, ouais, j'aime bien voir les mécanismes et tout ça. Et de l'autre côté, c'est plutôt des bouées que vous devez emmener en haut, donc, soit en single ou en double tube. Regardez ça. Oh, sur l'off-pipe. Regarde, ouh, c'est génial. Ouais, c'est très sympathique. Vu sur le parking, regardez, il y a même une partie du parking qui est recouverte par des panneaux solaires. Hein. C'est à la mode maintenant dans tous les parcs d'attractions. Qui est là aussi, qui doit être une partie de Popcorn Revenge, j'imagine, je ne sais pas trop. Et donc, bah, juste à cet étage, au dernier étage, vous trouvez le half-pipe, donc vraiment celui-ci, voilà, où on voit la personne qui passe. Et après, vous avez donc le bowl qui est juste là, la soupière. En fait, en gros, c'est une grosse soupière qui part aussi de cet étage. Un bowl, ça, j'en ai déjà fait un à l'époque. C'était à l'Aqualude, le feu Aqualude qui n'existe plus maintenant, qui a fermé, qui était au Touquet. Love Pipe, on en a déjà fait un énorme. C'était à SeaWorld, à Aquatica, on l'a fait. C'était Rerush, c'était vachement bien. Donc, juste à gauche, le bowl. Oui, qui est, pour l'instant n'est pas encore en fonctionnement. Oui, qui sera tout à l'heure. Je vous mettrai les noms des toboggans en incrustation sur l'écran. Il s'appelle Pomacaille. Ah ben, c'est Pomacaille, cherchez après les panneaux. Voilà, Pomacaille, donc c'est le bol, la soupière. Et puis après, donc ici, vous avez le Waikiki. Et là, bah, le Waikiki, c'est le off-pipe, en fait, tout simplement. Regardez la belle vue du dernier étage sur le parc. Et pour vous repérer un petit peu, hein, pour voir quel toboggan vous faites, vous avez des tout petits cycles. Bon, on voit bien que c'est une petite soupière. Et au-dessus, donc le half-pipe. Ouh, il y a un courant d'air ici. Alors là, ici, vous avez le Wiki-Wiki. Donc c'est la course en tapis, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc c'est cette course-là en tapis, tu vois, c'est un... Un double toboggan. Et donc là, celui-ci, le Banzai,
Le Banzai, là, c'est un genre de water coaster, en fait. Oui, en dueling. Voilà, en dueling avec deux propulsions. On voit le water coaster, juste la petite montée ici, on l'a mis ici. Et il y en a encore, bah, il y en a une juste en dessous en fait. Voilà. Ah oui, ils sont encore en train de faire des petits travaux. Hein. Ce sera terminé quand vous. Donc là, on a eu accès, on a été invité par Walibi, on les remercie pour découvrir vraiment les nouveaux toboggans d'Aqualibi. Et donc, au moment où vous verrez cette vidéo, l'Aqualibi sera ouvert. Ça ouvre à partir du 22 décembre. Tout à fait. Regardez pour les fans de mécanique, hop, le petit système de remontée des. Les petites bouées là, c'est vraiment sympa. C'est bien foutu. C'est bien foutu. Donc, c'est un peu dommage. Ouais, c'est bien. En plus, c'est les bouées les plus lourdes, alors comme ça, vous n'avez pas besoin de les porter ça, dans les escaliers. Mal. Franchement, c'est pas mal. C'est une très bonne initiative. Donc là, c'est l'arrivée du water coaster. Et donc ici, l'arrivée du Capit Knirsen. Ça fait vraiment bizarre de voir Aqualibi complètement vide. Ah ouais, ouais, bah c'est rigolo. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment sympa, c'est une belle découverte. Donc on voit la tour, l'accès au toboggan. Ah, tu vois ça par contre, oui, c'est quand même assez haut. Okay. La tour comme ça qui monte, tu vois, je sais pas si j'ai un droit de faire. Il y a des contre-marches et tout. Hein. Ouais, ouais, bah ouais. Donc également, hein, vous trouvez ici donc, un petit point de restauration qui est vraiment très joli aussi. Franchement, c'est très joli. Regardez, comme ça on va pouvoir vous filmer les douches. C'est vrai que ah merde. Comme ça donc vous voyez un peu comment ça ressemble les douches et tout, c'est vraiment propre et tout. C'est plus neuf. C'est top. C'est ici qu'on se quitte devant l'entrée de l'Aqualibi ici à Walibi Belgique. Comme vous l'avez vu, c'est un parc aquatique qui a vraiment bien changé par rapport à ce que j'avais dans mes souvenirs. Donc vous savez pas mes souvenirs en souvenirs, mais néanmoins ça a bien changé. Moi j'adore la nouvelle tour, j'adore les couleurs bleues. Ah, j'ai l'impression de voir un peu du Guy Harvey, un peu de SeaWorld dans la thématisation avec les planches de surf. Je trouve que vraiment c'est sympa. Les nouveaux toboggans, ils ont l'air vraiment sympas aussi. On regrette très honnêtement de ne pas avoir pris notre maillot de bain, mais on préfère. On va tester une nocturne ici et on les filmera pour vous. Et on a notre avis aussi justement pour les toboggans. Yes, et on écoutait les avis notamment de l'aquacoaster ici, qui est a priori plus familial que Krakatao à Volcano Bay. Mais qui est tout aussi sympa, avec pas mal d'eau qu'on se prend dans la tête a priori. Et la différence ici, c'est que c'est une propulsion par hydro, enfin avec eau, de l'eau. En fait, voilà. C'est pas une propulsion magnétique. Comme dans le parc aquatique Disney. Il me semble qu'on en a fait déjà. Crush and Gusher, c'était propulsion avec l'eau, en effet. Yes. Alors on remercie encore également les équipes de Walibi de nous avoir invités pour découvrir ce nouvel Aqualibi, le toboggan. Yes, et on vous encourage du coup à venir les tester. Il n'y a pas non plus un nombre très important de toboggans, donc vous allez passer une bonne demi-journée pour pouvoir tous les tester. Si vous avez des enfants, les nouvelles petites zones pour les enfants, elles sont trop mignonnes. Ouais, c'est vraiment donc, mignonne. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser. Ouais. Et pour les adultes qui ont juste envie de se prélasser, il y a aussi des bassins d'eau chaude. Donc n'hésitez pas à venir. Et en plus, c'est ouvert l'hiver. Mmh. Donc ça aussi, c'est agréable de pouvoir trouver de l'eau chaude et sous un ambiance tropicale. Voilà. La musique aussi vous met dans l'ambiance plutôt tropicale et ça c'est aussi bien amené avec des vestiaires que j'ai trouvé vraiment super propres et agréables. C'est nickel, ouais, franchement rien à dire.
Donc encore une fois, merci à Walibi de nous avoir accueillis. N'hésitez pas à venir tester par vous-même et commenter en dessous pour savoir si, de quand date votre dernière visite ici à Walibi, de 20 ans pour moi et vous combien, de savoir ce que vous en avez pensé aussi de ces nouveaux toboggans. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc pour Walibi, saison de Noël. À bientôt, c'est parti. À très bientôt, salut.